dans un champ de maïs. Tu sais, enculé, si c'est pas moi qui te chope, ce sera un de mes collègues. Crois-moi, tu ferais mieux de te rendre. À moins que tu puisses te téléporter dans une villa aux Bahamas, t'as aucune chance de t'en tirer. Tu crois pas que t'as déjà fait assez de conneries, Vincent? Va te faire foutre! Y'a la sécurité! Je sais te servir d'un flingue, putain, me prends pas pour un con! Get down, il dit oh le! Sale bougnou! Je pourrais pas dire quand ni où tout a commencé, parce que rien n'a vraiment commencé nulle part, c'est juste arrivé. Voilà ma vie, voilà l'ambiance chez moi, une soirée habituelle dans ma vie habituelle. Tu veux encore des pommes de terre, Vincent? Je sais que t'aimes ça. Faudra que j'essaye l'iPod un jour.
Sinon, moi ça va, hein, merci. Vous voulez peut-être que je vous raconte ma journée ou... Delphine. Ferme-la. Oh. Assieds-toi. Et arrête de jurer, putain. C'est de ta faute si tout ça, ça arrive. Ma faute. Si les parents s'engueulent, c'est à cause de toutes tes conneries. Mais t'es vraiment une salope. Mais va te faire foutre. Dégage. Mais dégage! Mais seulement t'aurais pu y rester. Ma sœur, fan de Justin Bieber, cuit d'un chou-fleur, ben ça doit pas être un hasard si ça rime. J'ai l'impression que mes parents ont décidé d'avoir un deuxième gosse, juste pour qu'on puisse me pourrir la vie. Alors elle vit dans un petit conte de fées, bourré de popstars, de sorties shopping chez Jennifer et de chansons d'amour à la con. Alors quand j'ai fait ma tentative de suicide il y a un mois, et que ça commence à faire disjoncter mes parents, tout son petit monde s'est écroulé. Elle est conne, mais elle y peut rien la pauvre. Le bahut, l'autre partie de ma vie, à peine moins déprimant qu'à la baraque. Alors, j'ai toujours été solitaire, voire carrément seul. Bon, faut dire que, point de vue sociabilité, je suis très bas dans le top 50. J'ai des connaissances avec lesquelles je partage quelques brides de conversation, des fois, mais uniquement des questions ou des remarques rapport au cours. Pour eux, je suis pas un pot de potentiel. Je suis juste un... camarade de classe. Je suis l'espèce de bibelot moche qu'on a foutu sur un meuble au fond du salon, mais qu'on remarque même plus quand on passe devant. Mathias, c'est le gars cool par excellence. Drôle, pas trop mauvais, ni trop bon en cours, plutôt pas moche, sympa, pote avec tout le monde. Un gars cool quoi, le gars que tous les gars voudraient être et avec lequel presque toutes les filles voudraient sortir. Je pense qu'on pourrait dire que je suis un copain pour lui. Mais plus les jours passent, plus j'ai l'impression que je suis une sorte de contre-exemple en fait. Moi je m'explique, quand les gens nous voient ensemble, je suis tellement minable qu'à côté, Mathias a l'air encore plus cool. Je crois que dans toutes les classes du monde, chacun tient un rôle prédéterminé. Moi, je suis le naze de service, le loser magnifique. Bon, c'est ironique le magnifique. Hein. Bon, tout n'est pas dans non plus. Au bahut, il y a Charlène. Je crois que je suis amoureux d'elle depuis la seconde où je l'ai vue. Enfin, je sais pas trop si je suis vraiment amoureux au sens premier du terme, mais je pense que vu que c'est toujours elle que je pense quand je me branle, je dois être amoureux d'elle. Autant dire que c'est pas réciproque, elle doit plutôt penser à moi quand elle est aux chiottes. À la fin de l'année dernière, poussé par Mathias, j'ai eu une crise de courage à la con et j'ai tenté d'entrer en contact oral avec elle. Il y avait toutes ses copines, elles m'ont regardé comme si elles m'avaient jamais vu, ce qui était sûrement le cas, et après avoir bafouillé une phrase dans une langue inconnue, je me suis tiré, comme une merde. Je les entendais glousser derrière moi. Hé hey mec, ferme la bouche, tu baves. Pète pas ta braguette non plus. Hein. Quoi putain? Moi je repense à mardi dernier. Mémorable. Tu m'as trop fait marrer. Faudrait que t'apprennes à parler un jour. Ça devient pathologique. Le passe-temps préféré de Mathias, c'est de me rabaisser en se foutant de ma gueule et en utilisant des mots qu'il connaît, mais ne comprend pas. Cool, non? Ce qui est bien, quand on a une vie de merde comme moi, c'est que les rares moments où on se sent bien, on en profite 10 fois plus. Il y a qu'un seul truc, moi, qui me sort de ma déprime quotidienne. La musique. Bon, pas la musique classique, solfège et tout, hein. Non, la vraie musique. Celle qui vient des tripes, tu vois. Le seul morceau qui m'est vraiment pas touché... plus fort. Enfin bref, c'est Barrel of a Gun de Depeche Mode. Quand j'entends cette chanson, je suis ailleurs. Alors quand j'ai trouvé une vieille guitare dans le grenier de mon grand-père, je m'y suis mis et je suis comme quand j'écoute Barrel of a Gun. J'ai jamais pris de cours, j'ai appris tout seul et j'improvise des trucs des fois, pendant des heures.
J'oublie cette vie de merde. Puis un jour... Ben, même la guitare a pu réussir à me faire oublier. Alors... Ben, je me suis tiré. Et même quand j'ai fugué, j'ai merdé. L'hiver, c'est pas la saison des fumes. J'ai dormi une nuit en forêt. En me réveillant le lendemain matin, j'étais gelé jusqu'aux couilles. J'avais l'impression que tout ce qui dépassait était vraiment à deux doigts de tomber. Alors, je suis rentré chez moi, pas plus avancé qu'en partant, pas mieux non plus. Ils se sont montrés très... compréhensifs quand je me suis pointé chez moi. Qu'est-ce qui t'a pris? Ça va pas? T'as perdu la tête ou quoi? Ça m'aurait aussi étonné. Qu'est-ce qui t'aurait étonné? Que vous compreniez. Mais y a rien à comprendre. Le fils des Muller, il aurait aussi fait ça il y a deux mois. Il a dit que c'était juste pour les faire chier. Alors je vois pas pourquoi ce serait différent avec toi. Vous êtes vraiment trop con. Deux semaines plus tard, mes parents sont partis en week-end, me laissant avec ma conne de sœur. La semaine s'était plutôt bien déroulée, bonne note au bac blanc, j'avais discuté pendant de bonnes heures avec mes filles de la classe, moins conne que les autres. On avait fait une sortie ciné avec Mathias et d'autres gens de la classe, qui m'ont même adressé la parole, sans que ça paraisse être de la politesse. Enfin, ma vie commençait à ressembler au début du balbutiement de quelque chose. Et là, je sais pas, ça m'a pris d'un coup. On peut pas expliquer le genre d'état, disons... un ras-le-bol total. On en a marre de tout. Heureusement pour moi, ce soir-là, mon père avait toujours détesté les rasoirs électriques. Vincent, tu veux parler à papa et maman ? Malheureusement pour moi, ma sœur venait de passer son brevet de secourisme. De là, je me suis retrouvé à l'hosto, cloué à un lit. Ça puait les terres, la merde. Mais c'est là que j'ai fait sa connaissance. Fictiche ! Putain, foutez-moi la paix ! Arche-là ! Y'a que très bien en haut ! Y'a que très bien en haut ! Il s'appelle Johan. C'est pas m'être ouvert les veines qui m'est changé, c'est me retrouver dans le lit à côté du sien. Et il m'a tout de suite intrigué, parce qu'il les a insultés en... Allemand ? Ouais, je parle, ouais. De toute façon, j'aurais préféré être en Allemagne. Dans ma tête, je suis allemand, tu vois. Je chie sur ce pays de merde où je suis né !
Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'au moins là-bas, les gens acceptent pas que n'importe quelle racaille vienne habiter dans leur pays. Racaille ? Ouais, racaille, ouais. En fait, dans la vie, Johan avait qu'un seul problème. Une idée fixe, un truc qu'il titillait du réveil au coucher et inversement. Des bougnoules, des sales nègres, des juifs, des bamboulas, que des bougnoules, oh, mais tech, des youpins, sales nègres. Quand je lui ai demandé pourquoi il détestait tellement les bougnoules, il m'a dit que c'était viscéral au départ. Dès qu'il en voyait un, il avait envie de le bomber. Et puis il s'est renseigné, il a surfé sur le net, il a trouvé plein de gars en France, en Allemagne, qui pensaient pareil que lui. Il m'a résumé sa philosophie en une phrase. Le racisme et tout ça, c'est des conneries. T'as des gens comme toi et moi, qui essayent de vivre civilisé, tu vois. Et t'as les bougnoules, mais les nègres et les feuges aussi, hein, qui profitent de notre société qui la parasite. Tout ça parce que ça les emmerde, ça les fait chier qu'on soit supérieur à eux, tu comprends ça? Ils essayent de la détruire. Au départ, j'étais pas trop sur la même longueur d'onde. Alors je faisais juste... C'est pas compliqué. Il y a un mec qui a dit un jour, en gros, je sais plus qui, il a dit que l'homme civilisé, c'était celui qui faisait plus la guerre. Et où est-ce qu'il y a encore la guerre de nos jours? Hein? Chez les bougnoules, surtout. Mais aussi les nègres. Et les feuges. Après, il m'a expliqué pourquoi il avait atterri l'hosto. Pendant une bonne heure, il a continué à essayer de me vendre sa propagande nazie. J'ai fini par m'endormir, et la dernière phrase que j'ai entendue de lui, c'était... Bon, sur toi. À chaque fois dans ta vie que t'auras des problèmes, que tu tomberas sur une merde, à chaque fois, si tu penses bien, à chaque fois, ça sera à cause d'un bougnoule. Pense-y, mec. C'est systématique. Mon chéri, ça va? Une heure plus tard, quand mes compte-parents sont arrivés, Johan s'était tiré. Mais il n'était pas parti comme ça. Bon, sur le moment, je croyais pas trop à ces conneries racistes. Je sais même pas pourquoi j'ai gardé ce bout de papier. Et le mois qui a suivi, alors que j'essayais de reprendre un semblant de vie normale, j'ai compris ce que disait Johan. Partout, tout le temps. Chaque crime, chaque délit. Partout dans le monde. Les exemples s'enchaînaient à chaque fois. Chaque fois, des bougnoules. C'était systématique. C'était systématique. Systématique. Johan, c'est Vincent, c'est le gars. Ouais, Nosto, je sais. J'ai lu ton nom sur la feuille accrochée à ton lit, mec. Ouais, ben c'est... T'as remarqué? Ouais. Moi aussi, au début, j'ai cru que c'était des conneries. Finalement, j'ai ouvert les yeux. Tu crois... Est-ce que tu crois qu'on pourrait se voir pour en parler? À l'époque, mes parents commençaient leur battle d'engueulade, alors dès que je pouvais sortir, j'en profitais.
Les parents d'Johan étaient presque jamais là. Ils travaillaient tous les deux de nuit. Il était tout le temps seul chez lui. Après mon apprentissage, le patron m'a pas gardé. Et la galère pour toi du taf. Ça fait un an que j'ai pas bossé. Et je cherche pourtant, mais rien à faire. Rien à faire. 5 millions de chômeurs. Putain, 5 millions de chômeurs. Et combien de boulot les nègres, hein? Je sais pas. Tous ces parasites qui bossent là. Tous ces parasites qui travaillent. À la place, ça devrait être un vrai Français qui travaille. Un vrai Français. Et paf! Plus de chômage. On a parlé pendant des heures, mais pas que des bougnoules, des nègres, des feux, aussi de politique, d'histoire de cœur et de nos problèmes. Johan avait 5 ans de plus que moi, mais il avait vécu la même chose. Ça nous a rapprochés. Il m'a fait découvrir des trucs qu'il avait imprimés sur le net. Et surtout sa Bible, Mein Kampf. Il m'a fait une copie de tout ça pour que je puisse les lire. J'ai appris plein de trucs que je savais pas. Ces gens-là, ils veulent nous détruire. Tu comprends ça? Et personne réagit. Ils disent tous, vous êtes des racistes, mais non! Nous, on a juste ouvert les yeux. Bon, je gueule, mais je t'engueule pas, hein. C'est juste que je suis énervé. Tu comprends ça? Ça m'énerve. Cool, je comprends. Toi, je t'ai bien, toi. On se comprend, toi et moi. En à peine un mois, il avait fait de moi une espèce d'apprenti. Je voulais devenir un soldat du Führer, comme lui, donner un sens à ma vie. Mais il disait que quoi qu'on pense, il fallait le cacher, pour pas se faire prendre, en parler à personne. Tes parents sont gueulés encore? Ouais, en boucle. Ça fait musique d'ambiance à la maison. Je pense à sortir un CD. J'arrivais bien à discuter avec Emily, pas avec autant de liberté que Johan, mais elle devenait une amie, peu à peu. J'aurais voulu lui raconter pour Johan et tout, mais je savais pas comment elle allait réagir. Gros relou. Et puis un jour, je faisais pas gaffe, je sais pas, j'ai merdé. C'est quoi ça? Quoi ça? Sur tes poignets? C'est rien ça. Je crois pas que c'est rien. C'est rien, je te dis, cherche pas. Quoi?
Et vendredi soir dernier, Johan est venu me chercher au lycée. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Tag nos murs, on va leur rendre l'appareil. Après ça, tu seras un vrai soldat du fureur, mon gars. Mais d'abord, on va manger. C'est les incendies qui arrivent. Machin, c'est arabe ça, non? Faut les arroser. Bonsoir. Cette nuit-là, je pense que j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Je m'étais jamais autant amusé. Je m'étais jamais amusé du tout même, j'ai remarqué. Et attends, là ce qu'on vient de faire c'était un petit délire. On va faire mieux, on va faire beaucoup mieux. C'est une guerre, mec. Une putain de guerre. Ouais. Et les flics. Si on tombe sur les flics. Quel flic? Y a pas de flic. Si tu sens que tu vas te faire choper. Termine en beauté? Qu'est-ce que tu proposes? Tu vas voir. Prends le drapeau. Là, tu veux pas. Tu vas ici? Pas moi, toi. Johan avait raison, on était, je cite, des criminels racistes et xénophobes, des néo-nazis dangereux qu'il fallait à tout prix arrêter et punir. Johan avait raison, c'est une guerre et on est des soldats. On en a même parlé en classe avec la prof, une sale vieille gauchiste qui dit que les racistes c'est des méchants. C'était marrant de les voir m'insulter et me traiter de connard de nazi sans qu'ils sachent que le gars qui avait fait ça était assis là, à 3 mètres d'eux. Fandard. Surtout les bougnoules de la classe.
Cette matière va que la cellule se développe et que l'organisme se développe, tout simplement. Bon, il nous manque encore quelques éléments pour compléter le schéma. Merci. Je vous interromps deux minutes. Il est bouffon là-bas. Vincent, tu veux bien me suivre, s'il te plaît ? Quel honneur. Ces gens voudraient te parler. Rien à leur dire. C'est à eux d'en décider. Fout, je t'ai dit. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est bon, fais pas ta star. Archlor ! Fais pas ton malin. Eh oh, vous n'avez pas à agir ainsi. Fick dich ! Vergnügen, mein Lieber. Déjà que j'étais pas d'accord pour que vous interveniez aujourd'hui. Une guerre, on est des soldats. D'une guerre, on est des soldats. C'est une guerre, on est des soldats. La suite, vous la connaissez. Get down in the hole! Sale bougnou! Courir cette fois-ci. Je m'inquiète pas de savoir si tu vas courir ou pas. Come.